Huh? Je regarde la vie. La presse qui est là, la presse parlée, écrite et télévisée, surtout médias en ligne. Moi, c'est Lazare Lionel qu'on a fait général Sinaboa. Moi, accompagné de l'équipe Sinaboa, Valmont Batel, mes vice-coordonnateur, Molange Snell, porte-parole, Francisco Oxy, porte-parole municipal, et plutôt Louise Bélé, secrétaire général. Et bien, objectif visite nous là matin, c'est dans le cadre d'une activité Sinaboa lancé. Côté que nous avons visité tout le commissariat qui est dans l'aire métropolitaine pour nous capables de prendre doléance policiers, prendre doléance et commissariat. Problème que nous avons gagné pour nous capables de soumettre un rapport à la direction générale de la police. C'est dans le contexte qui fait que nous, la journée jeudi, nous faisons lancement dans le commissariat Delma 33 et c'est un programme qui a fini le 20 mai et vini là. Donc c'est notre objectif là que Sinaboa est là, je ne veux dire. Votre parole adjoint Sinaboa. Sinaboa qui c'est le syndicat national des policiers haïtiens. Et par rapport à la bataille que nous lançons dans la police pour changer les conditions de vie des policiers, nous prenons en compte dans le dernier moment ça, la quantité de bagages qui a privé dans la police, qui a affaibli la morale policière, qui permet de travailler dans des conditions qui ne sont pas appropriées. Et là, nous connaissons l'importance de la police gagne pour la population aujourd'hui. Nous, même si nous avons estimé le bon pour nous lancer nos batailles, pour nous essayer de visiter le commissariat, essayer de visiter les policiers pour constater des séries de bagages qui ont passé dans le commissariat ou dans la police aujourd'hui. Mais le premier bagage qu'on a fait signaler, c'est pour montrer jusqu'à présent la bataille pour changer la vie, condition de la vie moun en Haïti, pas jamais facile. Premier obstacle qui arrive nous là, c'est que le commissariat a refusé catégoriquement pour nous visiter l'espace que confrère nous à fonctionner. Chef de force a refusé à ce que nous visitions pendant que nous avisons ça depuis quelques jours à l'avance. Nous avisons responsable commissariat, nous avisons supérieur hiérarchique dans la police, que okay. Syndicat qui pour le fond tourner, soit regarder bien après nous ne pouvons pas nous en mettre. Nous n'avons pas rien qui a perturbé le fonctionnement du commissariat. Comme des policiers en fonction, nous pas des bandits, c'est des policiers. Nous ne pouvons pas comprendre comment nous vivons dans le commissariat. Non seulement ils ont refusé de recevoir nous, mais pour nous empêcher comme syndicat pour nous faire visite et parler à la police. Maintenant, je veux dire, ça l'a dit. Nous connaissons une attitude pour toujours dire que c'est des bandits. Nous clairement identifier, nous sommes des policiers et nous faisons partie d'une structure légale de la police. Je ne veux dire ça la fille. Nous-mêmes, bataille nous faisons son bataille avec respect et discipline pour nous changer les conditions de la vie policière. C'est ça que fait. Nous allons côté, nous faisons des visites dans la côte des Acadés, nous faisons des visites au CAP, nous produisons un rapport, nous remettons les bas direction générale pour faire suivi qui des droits. Donc, je veux dire, par rapport à ça, là, nous, les policiers, nous avons vivre, nous estimons que c'est bon pour nous faire visite ça, pour créer un rapprochement avec eux, pour nous parler avec eux. Pour nous montrer l'importance du syndicat, qui est l'importance de vous adhérer à ce syndicat, qui est l'importance qui gagne pour vous tout bailler les meilleurs de vous-même pour votre travail. Parce que moins vous baillez ça, vous devez bailler, c'est moins la faible, c'est moins que nous ne pouvons pas résister à la force insécurité qui a ravagé nous, je ne veux dire. Maintenant, face à l'opposition, nous venons là, continuer visite là. Donc, pour me dire nous, ça qui arrive là, pas empêcher nous continuer de travailler là, parce que nous connaissons le travail là, il n'y a pas de jambes facile et il y a toujours gagné. Type de bagage ça. Mais bataille là, il pas camper parce que dans Sinaboa nous avons toute nos missions pour nous faire sanguin, pour nous faire jeune doué faire. Ça qui fait nous fort je dis, c'est parce que nous connaissons direction générale la police qu'on est là je dis. Inspection générale qu'on est là. Commissaire qui est responsable ici au courant là. Nous te remettre dans le secrétariat donné qui dit que nous avons visité le commissariat dans la zone Delma. Nous regrettons pile au commissariat comme commissariat Delma pour ça représenter dans le commissariat en Haïti et dans l'air métropolitaine pour nous souhaiter comme syndicat commencer son visite là-dedans et sacrifier. C'est dommage. Quel constat vous avez dans le commissariat là? Comment nous voyons que les policiers ont fonctionné, ils ont quitté à l'autre? Depuis sur face nous, ils ont essayé de voir nos sacs à montrer que les policiers ont fonctionné ici, ils n'ont pas fonctionné à l'aise. Ça vient de montrer nous tout. Si les hiérarchiques ici n'ont pas entendu l'argent qui a fait travail dans la rue. À côté de ça, tout ça nous vécu journée aujourd'hui. L'autre souvenir de janvier, l'autre policier qui a tombé jusqu'à hier. Vous pouvez remarquer souvent nos commissaires comme syndicat pour chercher qui ça pour prendre comme doléance, pour porter le côté, pour porter le poids, alléger la vie policière, jeune gens d'obstacle ça. Ça qui est en montre, les policiers ne sont pas évolués dans l'environnement qui est au café. Il n'y a pas aucune raison qui fait refuser pour nous faire visiter. Raison n'est pas valable.
il n'est pas valable, il n'est pas qu'un puisque comme des dieux, nous avons averti la direction générale de la police, nous avons averti le responsable ici et nous déposer données à la commissariat pour dire que nous avons visité le commissariat. Mais qui ça me compte? Voir que nous avons visité le commissariat, ça ne va pas même avertir parce que c'est le syndicat dans la police. Mais qui ça veut dire? Moi, je dis déjà raison, il n'est pas valable puisque je dis que c'est responsable là qui m'a baillé l'autre. Pourquoi ça nous compte faire? Ça nous compte faire, c'est poursuivre le travail. Si on va venir rencontrer les policiers là, si on va venir visiter d'autres là, côté policiers à vivre là, on va rencontrer dans la rue, on va faire ça. Merci. 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 Merci, mec. Bon, tant que nous te connais, les gars, on a les 3-4. Oui, on a les 3-4. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous là, je dis, dans le cadre du constat que nous avons fait dans la zone métropolitaine, en tant que syndicat de la police, dans Sinaboa. Donc, nous voulons fournir, j'ai gardé, état commissariat, état milieu de travail, et ensemble de besoins qui gagnent dans différents commissariats, sous-commissariats et antennes dans la zone métropolitaine. Nous commençons à la zone métropolitaine, mais nous avons bien pour nous faire ça dans tous les 10 départements. Pour nous capables de faire constat ça, ou on a fait jeudi. Nous souhaitons, pendant constat, responsable commissariat, présentez-nous ensemble de problèmes que nous gagnons. Pour que nous-mêmes, nous présentions un rapport par responsable pour nous capables de prendre une décision le plus vite que possible. C'est pour la raison ça qui fait nous là aujourd'hui. Nous prêts pour nous travailler avec le responsable commissariat. Nous avons dit tout. Nous avons pris la bio. C'est ça qui justifie la présence nous dans le commissariat. C'est parce que nous voulons les conditions de travail policier changer. Pour ça fait, il faut que Sinapoa te fait constat d'elle. Pour nous connaître ensemble de problèmes qui gagnent dans le commissariat, dans le sous-commissariat et ensemble de problèmes que le dirigeant commissariat rencontre. Et par grâce que vous rencontrez qui empêche de meilleurs résultats. C'est peut-être ça nous là. Donc nous allons continuer à faire constat. Normalement, nous commençons dans le commissariat d'Elma 33 et nous gagnons pour nous finir. Zone dans le commissariat bon repos. Nous profiter pour nous dire tout responsable commissariat et policier qui connaît ensemble de contraintes que vous pouvez rencontrer dans le milieu de travail pour que vous fassiez une part de vous. Pour que nous-mêmes, nous gardions qui gens, nous allons encadrer le plus vite que possible. Merci. C'est la caillou de dormi. Yo pa konn douleur agent yo. Yo pa konn nan ki eta agent yo ye. Yo même bouche yo c'est la caillou, yo pa konn sole nan bouche an dan ki nan commissariat yo ki mele yo avec agent ki a mal fonctionné. Ça fait que ou pa kèt moun dans la police, ou pa kèt chef dans la police qui jusqu'à présent a posé obstacle avec syndicat yo pour yo faire travail. Ça fait que nous mêmes au niveau Sinaboa je ne veux dire, par rapport avec l'obstacle que nous rencontrons dans le commissariat de Napantoa, nous voulons que à clé, il y a des commissaires, il y a des responsables qui ont même empêché le syndicat d'avancer. Nous sommes plus responsables là. Il n'a pas fait nos réponses, mais ça ne pour nous faire un affaire. C'est une visite que nous avons fait. Nous avons visité tout le commissariat pour nous produire un rapport par la direction générale de la police. C'est ça qui m'a destiné à voir aujourd'hui. Delva, non, non, merci. Ça me connaît, ça.
ça au bout. Plus encore de battre là, vous trouvez là encore Oh, wow. 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 Oh, wow.